toi, Faux, tu dis ce que tu en penses. Yes. Ce matin, j'ai fait un point avec Olivier concernant la stratégie commerciale et digitale. Et ce qui m'a ressorti, c'est que, t'as vu, on a des clients qui nous mettent des avis négatifs. I need to know everything. Who in the what in the where, I need everything. Trust me, I hear what you say. Mais tous nos clients satisfaits, ils n'ont pas ce réflexe-là de mettre un avis positif. Systématiquement ou naturellement, personne ne le fait. Mmh. Donc, ce qu'on a vu tout à l'heure avec Tiffen en discutant, c'était quand on remet notre dossier de fin de chantier, les factures, la décennale, les garanties, etc. De mettre un QR code sur la facture, le client le scanne avec son appareil photo, tu vois, depuis son téléphone, et ça lui donne un lien direct à l'avis. Ça prend 20 secondes, et là, on aura beaucoup plus d'avis, mais à la remise de la facture. Ouais, c'est clair. Non, t'en penses quoi, toi? Ouais, c'est une super bonne idée. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Donc on est avec Louni sur le chantier d'Arcueil Cachan, donc du coup sur le rehaussement et le changement de couverture. Donc là je tenais à vous montrer le type de savoir-faire qu'on avait chez CTBG, plus précisément dans le domaine de la couverture, parce que là on part vraiment d'une couverture en zinc, donc c'est vraiment une spécialité chez nous. Donc on est parti sur un zinc en quartz, donc de couleur quartz, avec à mi-chemin de la couverture, vu que c'est une couverture un pan, une gouttière nantaise. On a mis une finition, je ne sais pas si vous le voyez, après les connaisseurs le sauront, ce qu'on appelle des joints debout. Donc encore ça, c'est une spécificité chez nous et c'est vraiment une partie très technique, ce qui permet de bien canaliser les fluides. Ensuite, on a différentes fenêtres de toit et au milieu, là-bas, qui n'est pas encore fini, c'est le cast. Donc un cast, c'est un grand châssis en acier vitré, donc ce qui permet d'avoir un grand puits de lumière pour les clients. Donc aujourd'hui, je tenais vraiment à vous montrer notre savoir-faire, c'est important pour nous et surtout qu'on est sur un chantier où on va réunir différents corps de métiers. Parce que là, on parle de la couverture, mais ensuite on va descendre, il y aura les plaquistes, ceux qui ont posé l'isolation, l'électricien et les différents manœuvres. Donc je compte présenter vraiment l'intégralité de mes équipes parce que sans eux et sans cette diversité, on ne pourrait pas proposer à nos clients du clé en main. Alors bonjour, je m'appelle Manu, je suis couvreur. On a réalisé là sur un rehaussement la toiture en zinc avec ici un chaîneau pour freiner la pluie, pour ne pas arriver trop fort là-bas, pour ralentir la chute de pluie. Je suis Guillaume Padilla, donc moi je suis le propriétaire ici. Et puis je travaille aussi un peu, je mets un peu la main à la pâte pour finaliser les travaux. Voilà. C'est bon, je m'appelle Sergueï et je fais toutes les placos ici, la bande de ponçage un petit peu, je fais prêt à pendre, voilà. Bonjour, moi c'est Corinne, je suis propriétaire aussi et puis comme disait mon conjoint, on met la main à la pâte et j'en ai un peu ras-le-bol, c'est très fatigant, mais bon, au moins on a la satisfaction de faire les choses, voilà. Là aujourd'hui c'est CTBG qui fait tous les travaux et il y a un seul et même interlocuteur qui est Pascal que vous avez déjà rencontré et c'est lui qui va prendre la suite de l'interview parce qu'il a aussi son mot à dire et comment il voit les choses et comment il a présenté le projet au client. Voilà. Bonjour. Nous nous revoyons 2 mois après, vous vous souvenez de la première fois. Donc le chantier a bien avancé, vous voyez une structure bois. Donc on a relevé le mur de garde en béton avec un linteau, structure bois rempli de stéco et une isolation de 5 cm venir entre l'ossature bois et le placo, le BA13, avec évidemment un pare-vapeur. Nous avons élevé les murs en premier lieu, la charpente, on la met les collées. Une fois qu'on a posé l'ossature bois, avant l'isolation bien sûr, on a posé les fenêtres en aluminium à ouvrant caché, c'est-à-dire que l'ouvrant vient sur le dormant. Ce qui fait qu'on a un clair de vitrage beaucoup plus important. Et toujours avec le double vitrage, évidemment. Ce sont des fenêtres très grandes, ce qui fait qu'au-dessus, nous avons encore un volet roulant pour parfaire le confort des futurs propriétaires. Donc là, vous en avez 4, hein, parce que vous avez 2 pièces. Si on se tourne un peu, on peut voir ici une structure qu'on a renforcée en IPN, ce qui remplace l'ancienne structure bois qui existait à l'époque, parce que ici c'était un entrepôt. Hein. Dans les années 1900, c'était un entrepôt. On a fait un plancher en 22 mm en OSB et pareil sur le mur du voisin. On ne s'est pas servi du mur du voisin. On a réalisé une structure indépendante avec une ossature bois adossée sans toucher le mur du voisin. On a choisi avec le client et ils ont choisi aussi parce qu'ils sont sensibilisés au niveau de l'isolation du stéco. Tout simplement parce que l'avantage du stéco présente forcément un thermique et surtout un acoustique. Et d'autant plus vu que c'est une couverture en zinc. Lorsqu'il pleut, si on ne met pas ce type de matériaux, ben, on va entendre la pluie tomber sur la couverture. Donc du coup, là, en mettant ce type de matériaux,
on réduit considérablement l'effet sonore. Et comme vous pouvez le constater, vous comme nous sommes au milieu du chantier et nous ne subissons pas le grattage de la laine de verre. Ouais, c'est j'insiste, hein. Ouais, et ça gratte pas. Ouais. Voilà. Donc c'est très important, ne serait-ce que pour les gens qui vivent à l'intérieur et pour les employés qui utilisent ce produit. Au niveau toiture, on a mis 260 mm, donc ce qui assure, parce que la déperdition de chaleur dans les toitures, c'est 30 à 40%, on sait. Quoi vous dire, ici on va monter un escalier, ça sera peut-être le prochain reportage à la fin du chantier. Le prochain vlog. Voilà. Là on arrive à... Ici il y aura une porte, une cloison, enfin on ça sera 80% tout. Du chantier. Bon la team, j'espère que vous êtes content d'avoir visité avec nous ce chantier. Il n'est pas fini, on vous donnera encore un autre rendez-vous avec nous pour pouvoir visiter la fin de chantier. Mais là vous pouvez voir comment c'est enrichissant et diversifié de pouvoir proposer à nos clients tout un panel de travaux, tout en maîtrisant tous ces ouvrages. Voilà. Donc là, je pense qu'on a fini notre petit tour et on va se retrouver au bureau parce qu'on va passer sur un autre domaine encore qui vous concerne. Ça tombe bien parce que là, j'ai reçu un mail. Tiens, ça, faut que je fasse le point avec William. Ouais, je crois que je vais aller voir William. Ouais, parce que là, en fait, je suis en train de traiter un sujet qui est très important pour nous et surtout pour l'avenir de CTBG. C'est notre stratégie RSE. Donc RSE, c'est... responsabilité sociétale des entreprises et c'est William qui gère ça en interne et donc là je vais aller le voir pour lui demander quel est son plan d'action et je vais aller un peu le faire je vais le taquiner un peu là mais on va le voir. Tu me suis ou tu restes là? William Marangui. William, c'est encore moi. Oh là là. Ouais, voilà. Ça va, mon William? Bah écoute, j'ai pas le choix. Ça va? Qu'est-ce que tu veux? Faire un petit point avec toi sur la stratégie RSE, savoir quel plan d'action tu as mis en place, les tenants, les aboutissants, et voilà, je vais te faire chier. Et vice versa, quoi. Voilà. Et tout ça. Vas-y, bah laisse-moi déjeuner, je te prépare ça après, et on se voit en milieu d'après-midi, après ton rendez-vous. On peut pas avant? Non. J'ai besoin de me restaurer, c'est bon. Je sais pas. Ok, pas de problème. Ouais, vas-y, on fait un point tout à l'heure et comme ça, tu me dis où vous en êtes. Je suis curieux de savoir là, ce qui a été mis en place. Tu vas voir, tu vas être impressionné. Tu penses? Ouais. Vas-y, ok. Ici, c'est le moteur, ici. Ah là là. I can play with the pros and act like a rookie so they overlook me. They not develop again under their nose. None of them call. Toujours en train de filmer, toi. Tu me suis dans mon dépôt ou pas? Vas-y. Il est 14h, il m'a dit milieu d'après-midi tout à l'heure. C'est quoi, je vais le faire chier maintenant. William, c'est encore moi. Oh, Cyril, comment ça fait plaisir. T'es prêt ou pas? Bah ouais, j'ai bien mangé. Non, mais est-ce que t'es prêt? Mais toujours. Ouais. Vas-y. T'inquiète pas. Je suis venu un peu en avance, mais... Je te l'ai pas encore montré, mais on a... Enfin, principalement, Tiffen a refondu la plaquette commerciale. Au-delà d'informer nos clients et nos prospects, c'est aussi informer nos commerciaux sur les actions qu'on peut mener. Un client va acheter des fois un prix, mais va acheter aussi tout l'impact que CTBG peut avoir sur l'environnement, sur la société. Ça. Ouais. Et donc, tu avais déjà mené les années précédentes avec Reforest Action, la cantine mise en place pour arrêter de manger du fast-food, etc. Là, l'idée, 2021, ça a accéléré les choses. Donc, depuis le début de l'année, il y a eu l'embauche de personnes en situation de handicap chez les trois entités. La conséquence, c'est que aujourd'hui, tu n'as plus d'impact à GFIP, donc tu ne payes plus la taxe. Mm-hmm. On est à jour. On a signé une convention avec Elise, un gros réseau en IDF qui est au niveau national, donc pour toute la récupération de nos déchets au niveau du siège. Donc bonjour, Romain, responsable d'exploitation au sein de la société Utopia, franchisée Elise. Aujourd'hui, je vais mettre en place le tri. Des gobelets, des bouteilles, des canettes et du papier, et avec les piles aussi également. Nous, on est une entreprise adaptée, donc on emploie essentiellement des personnes en situation de handicap. Et au travers de cette action, de travailler, de faire le choix de travailler avec nous, vous employez, enfin, vous créez de l'emploi pour des personnes en situation de handicap. Il y a aussi pas mal de formation, d'accompagnement des collaborateurs. On a rejoint le mouvement Activateur de Progrès. On affiche le fait qu'aujourd'hui, on n'embauche pas des CV, mais des états d'esprit. Ah, complètement. Donc, peu importe d'où tu viens, ce que tu as fait, dans l'état où tu es. Mais maintenant, c'était aussi l'idée, c'est de communiquer là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, on fait plein d'actions, petites ou moyennes, ou plus grosses,
mais nos clients et nos prospects ne le savent pas. C'est ça, c'est vrai. On n'en parle qu'en interne. Donc l'idée, c'était notre target, nous, sur l'aspect digital, c'est de discrétiser, informer, inspirer, convaincre et animer toute notre audience. Sur les différents réseaux sociaux. Exactement. Okay. Et Tiffen est là pour le développer. Ibra est là aussi pour le développer. De toute façon, on le voit bien. Moi, je le vois. Au quotidien, ce que vous postez, ce que vous mettez en place, là, ce que je vous préparez pour les différentes journées type. Donc, j'aime bien, j'aime beaucoup. Je vois tout de suite la différence de avant, après. Après, je voudrais aussi apporter un autre objectif. En fait, je connais mon souci par rapport à CDBG, c'est de vouloir l'amener le plus haut possible et le plus longtemps possible. J'ai aussi cette ambition-là de, par rapport à l'impact environnemental qu'on peut avoir suite à nos travaux, que ce soit le recyclage de déchets, etc. C'est aussi travailler avec des matériaux qui sont recyclables ou qui ont un bon apport environnemental. Et donc, voir comment on peut faire la différence avec nos concurrents tout en faisant les mêmes travaux. J'ai commencé à me renseigner là-dessus. Ouais. Laine de bois, chanvre, peu importe. Bon, vraiment, et pas que sur les matériaux, sur aussi notre façon de travailler. Je suis en train de faire un benchmark et dès que j'ai toutes les informations, on prendra rendez-vous avec les partenaires. Mm-hmm. On ira les voir pour négocier. Ok. Ça, je sais que c'est vraiment un projet lourd et long, mais si on peut le mettre en place et commencer à donner de bonnes habitudes à nos salariés et montrer à nos clients qu'on ne fait pas que des travaux, on va au-delà des travaux, donc c'est ce que je veux apporter. Parfait. Ça fait partie de notre feuille de route, mais ça, tu ne la filmeras pas, mais on est dessus. Dès que tu chines une bonne idée, un bon truc, comme tu vois l'idée de recycler les palettes et les donner aux clients comme table de jardin, etc., bah, tu vois, ça, c'était une bonne idée. Tu vois. Oui, la transition écologique, c'est pas qu'un business. Ça, voilà, déjà c'est ça. Vas-y, ça marche. C'est un état d'esprit. Bravo. Ah là là, elle était bien celle-là. Aussi, je voulais savoir, toi, comment ça se passe les recrutements chez CTBG? Ce qu'il faut savoir, quand je recrute une personne, c'est plus déjà un état d'esprit qu'un CV. Alors, on demande toujours le CV, ce qui est normal pour connaître un peu le cursus professionnel de la personne, connaître un peu ses hobbies, ses passions, mais moi c'est plus un état d'esprit, tu sais, quand tu regardes un peu dans mes locaux et à travers aussi mes ouvriers et d'autres employés, ici c'est cosmopolite, c'est-à-dire que on a des chrétiens, des athées, des juifs, des musulmans, des noirs, des blancs, des jaunes, on a tout, et c'est ce qui fait notre force et notre diversité, donc c'est un état d'esprit. Moi je recrute des personnes qui sont surmotivées, tu peux venir me voir, en étant surmotivé, en étant capable de pouvoir amasser un maximum d'informations pendant X temps pour pouvoir être formé et ne pas avoir forcément cette expérience qu'on attend de toi tout de suite. Je suis plus moi la personne qui va prendre du temps à te former parce que je sais que tu vas être surmotivé, que tu l'es et surtout que tu vas être loyal vis-à-vis de moi parce que je t'aurai appris un métier. C'est ce qui fait un peu notre richesse et notre force aujourd'hui, c'est parce qu'on a tous le même état d'esprit. On bosse, on aime ce qu'on fait, on est passionné. Par exemple, si quelqu'un qui regarde ce vlog est intéressé pour postuler chez CTBG, il a quoi comme outil pour pouvoir postuler chez toi? Pouvoir nous contacter? Ouais. Bah, souvent, les gens me suivent par rapport à mon Insta, donc du coup, ils m'envoient des mails ou des DM. Mais sinon, CTBG, tu tapes sur la page jaune, tu as notre numéro de téléphone, t'appelles, on prend vos coordonnées, ensuite, elles sont données à des différents services qui recrutent et ensuite, on vous appelle. Hein. Ou sinon, bouche à oreille, le frère d'un tel, la femme d'un tel... J'ai de la famille, j'ai un mec qui est sérieux, tu le veux. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on a construit notre société, sincèrement. Ouais, on a beaucoup de gens de la même famille, ouais, une base de confiance. Voilà. Tu sais, je fais beaucoup de recyclage en interne, parce qu'on évolue, donc on a besoin de personnes compétentes à chaque fois. Donc on fait beaucoup de ce qu'on appelle, nous, du Tetris au module. Et donc d'abord, je fais du recyclage en interne quand j'ai des nouveaux postes à pourvoir. Et ensuite, je recrute pour l'ancien poste. Il n'y a pas d'algorithme prédéfini et on ne demande pas d'avoir 15 ans d'ancienneté chez nous pour pouvoir passer au stade 2, tu vois. Non, c'est vraiment la surmotivation et le sérieux des personnes qui va faire en sorte que... Bah, ils vont monter en échelon. La première clé qu'on leur donne en main, c'est vraiment de se responsabiliser. Tu sais, fonctionner comme un gérant, comme un patron. Et c'est comme ça après qu'on arrive à faire ses armes et on avance dans la bonne direction. Vraiment. C'est-à-dire qu'on leur apprend les bases. Et moi, comme je le dis souvent, j'ai besoin de couteaux suisses. Ouais, bah, j'ai commencé quand on a ouvert la CTBG pendant 5-6 mois avec l'un de mes associés. On était sur les chantiers pendant que les deux autres ils étaient sur le terrain pour signer des contrats. Ouais, donc tous les postes de l'entreprise, tu les as déjà faits. Ouais, sauf après des postes bien spécifiques comme le digital, etc., qui n'est pas du tout ma partie, même si je suis présent sur les réseaux, donc j'apprends comme tout le monde. Mais oui, sinon tous les postes, ouais, de la compta à l'administration, sur le terrain en tant que commercial et sur le terrain en tant qu'ouvrier. J'ai vraiment tout fait.
I need to know everything. Who in the what and the where, I need everything. Trust me, I hear what you're saying, but I like it's new what you're telling me. Oulala, t'as bien fait le coiffeur. Oulala. Bonjour. Bonjour. Enchanté, Marion. Vous allez bien, enchanté. Ça va? Ouais, très bien. Et vous? Ouais, ça va, merci. Enchanté, Marion. Bonjour. On va venir ici? Non, ça a été. Ouais, il y avait du monde sur la route ou pas, non? Oh, un peu quand même. Ouais, ici. Je reste là. Vas-y. De toute façon, on va refermer la porte après, parce que c'est confidentiel. Ça, c'est tes affaires? Ah oui, ah pardon, désolé. Ouais, tu peux les enlever là. Est-ce que vous voulez boire un café? Bah, on va demander de quitter les lieux. Est-ce que tu peux m'expliquer concrètement, par exemple, quand il y a une activité particulière, qu'est-ce que tu fais pour cet EBG? Alors, quand il y a une activité particulière, je fais de la recherche sur le domaine précis, et après je conçois le site. Alors là, le domaine d'activité actuel, c'est le domaine de la pompe à chaleur, en fait. Donc j'ai créé un micro-site assez explicatif. Là, le site, il énumère tous les avantages de la pompe à chaleur, donc au détail. Et pour que le client il rentre en contact avec nous, en fait, il fait une demande d'expertise et nous, on récupère les prospects et on rentre en contact avec les clients. Alors le design du site, oui, c'est moi qui le fais. Donc je me calque sur les couleurs du logo CTBG. Quand c'est un domaine précis, je fais vraiment des micro-sites. Mais en général, il y a le site principal de la société qui englobe aussi tous ces domaines, en fait. Le retour, vous gagnez plus de prospects avec un micro-site sur un domaine ou avec le site principal? En fait, avec un micro-site, on gagne plus de prospects parce que c'est plus visé. Une fois que ce site est fait, en fait, il y a la partie web marketing qui rentre en jeu. Vendre ce site sur la toile internet, en fait, c'est plus ma partie. J'ai une petite partie dedans, au niveau des mots-clés et au niveau de certaines choses à mettre dans le code derrière, en fait. Mais la plus grosse partie pour la visibilité, c'est ma collègue Tiffaine au niveau du web marketing digital. Vendre mon site. Par rapport au service client, on a créé une sorte de petite application pour que le client puisse nous suivre à travers plusieurs réseaux sociaux, plusieurs canaux, donc Facebook, Instagram, YouTube, et LinkedIn, Google, les pages jaunes, TikTok et Twitter. En fait, ça permet au client de nous suivre et de nous noter de manière assez facile, en fait. Ces commentaires, on les retrouve soit sur Google, soit sur Facebook, soit sur Instagram. Voilà, c'est une solution de facilité assez simple, quoi. Bon, la personne peut y accéder en scannant un QR code. Une fois que tu as le site en main, qu'Ibra il a réalisé, qu'est-ce que toi tu en fais? Quand Ibra réalise un site comme ça, c'est parce qu'on a un produit à mettre en avant et qu'on veut absolument en vendre, le vendre, le mettre en avant. Et pour ça, on va souvent en faire des publications sponsorisées. Toi, via Google Ads, donc sur les moteurs de recherche Google, mettre des mots-clés, on va dire par exemple, là c'est de la pompe à chaleur, donc se placer sur le mot-clé pompe à chaleur et renvoyer les personnes vers ce site-là. Soit on va mettre des publications sur Facebook, Instagram et ainsi de suite, donc via Facebook Ads. Et donc on va créer des petits visuels comme ça. Donc généralement on passe par plusieurs prototypes de publications, ensuite on réfléchit à comment la rendre encore plus efficace. Et ensuite, on va donc paramétrer notre campagne, une audience bien spécifique, j'en dirai pas plus, mais donc on va la diffuser et ça va ramener des personnes sur cette page-là. Et ensuite, comme il a dû t'expliquer, il y a un formulaire à remplir et ça nous génère des prospects qu'on transmet donc à nos commerciaux pour qu'ils puissent être appelés. Toi, d'expérience, tu trouves que c'est un meilleur retour avec un micro-site ou avec le site principal? Moi, je dirais que les deux ont leur avantage. Dans le sens où il y a donc toute une audience Facebook qui va se faire grâce aux pixels qu'on a sur le site principal. Donc pour faire simple, un pixel, ça va être un outil de suivi de Facebook qui permettra de comprendre les événements qui sont réalisés sur le site. Et étant donné que le site est assez ancien et qu'il y a eu pas mal d'événements dessus, on a une audience qui peut être assez performante. Donc pour l'instant, c'est vrai que ce site-là, il est encore tout récent, le mini-site d'Ibra, on n'a pas encore assez de recul dessus pour que je puisse te dire lequel fonctionne le mieux. Mais je pense que ce qui est bien dans ce site-là, c'est que ça rappelle... Enfin, on peut voir, rien qu'en arrivant en page d'accueil, on peut accéder directement aux avantages, des spécificités sur l'intervention, avoir des informations sur CTBG, et accéder au FAQ en un seul clic. Et je trouve que c'est vraiment très intéressant pour un prospect. Et je pense que ça pourrait vraiment nous permettre de transformer un peu plus, à voir. Parce qu'il faut vraiment plusieurs mois pour pouvoir tester, je pense. Même si pendant les premières semaines, on verra un peu comment ça fonctionne. Je pense que c'est vraiment sur plusieurs mois qu'on pourra voir ce qui fonctionne le mieux.
Et vous, en termes de référencement, vous êtes surtout sur du payant ou vous faites aussi du naturel? Non, on fait aussi beaucoup de naturel. Aujourd'hui, on va dire que ça représente environ 40 à 50% des leads qu'on a. Donc il y a déjà toute une stratégie de backlink qui est assez performante sur le site ctbg.fr, mais on a beaucoup d'améliorations à voir, surtout en ce qui concerne par exemple les communications sur les réseaux sociaux. Là, on a déjà un peu amélioré le sujet, mais ce qu'on fait, c'est qu'on essaye d'avoir une stratégie globale. Ça va nous permettre d'augmenter notre audience. On fait beaucoup de choses. Par exemple, ce que tu fais aujourd'hui ou ce que tu as pu faire pour nous, ça nous a aidé aussi à augmenter notre visibilité. On a eu beaucoup de leads gratuits par rapport à ça, par exemple. Et ça va être vraiment vers là qu'on avance, puisque l'objectif, c'est vraiment qu'on fasse du 100% gratuit au final, de plus payer pour avoir des leads, mais qu'ils viennent naturellement à nous, quoi. Ça va aussi? Ça va, toi? Ça s'est bien passé ton rendez-vous? Ouais, nickel. Et du coup, je sais pas si c'est confidentiel, c'était un partenaire? Mentalité libertine comme une putain de rockstar. Toute la soirée sur mes blondes à la Serge 15 bars. J'ai peut-être soulevé ta cousine dans une période instable. T'aurais pas dû te faire de film au lieu de faire un scandale.